Accéder super rapidement à son multitâche et avoir plein d'autres gestes de glissement comme ceux qui nous permettent de passer très rapidement d'une application à une autre ou encore de quitter l'application en cours c'est génial Salut à tous, c'est Steven et au lieu de double taper sur le bouton d'accueil pour accéder au multitâche, le TwigTage nous permet de glisser comme ceci et voilà vous glissez à partir du bas de l'écran vers le haut et vous accédez à votre multitâche. C'est super simple, super rapide. C'est un vrai gain de temps. Regardez, je glisse un coup vers le haut, je me retrouve dans mon multitâche. Et ça ne m'empêche absolument pas d'utiliser le centre de contrôle d'iOS 9, vous voyez. On peut faire ça sur l'écran d'accueil, mais aussi à l'intérieur des applications. Regardez, hop Ce qui est bien avec ce geste, c'est que c'est super fluide, très intuitif. On prend vite le coup de main. Et je peux aussi quitter l'application dans laquelle je me trouve, comme ça. Super pratique aussi. Tous ces gestes, on va pouvoir les personnaliser dans le panneau de réglage du tweak. Commençons par celui qui permet d'activer le multitâche. Vous voyez que j'ai trois choix possibles le coin inférieur gauche, droit et le bas au centre. Vous voyez qu'ici j'ai coché uniquement le multitâche, et ce qui fait que lorsque je glisse vers le haut, c'est le multitâche qui s'affiche. C'est tout simple. Donc moi c'est ce que j'ai choisi de faire, mais vous pouvez utiliser d'autres actions, vous le voyez. Donc ça c'était pour l'affichage du multitâche, et pour quitter une application, ça se passe ici. Regardez, close app affecté à mon coin inférieur droit. Regardez, hop. Donc voilà comment tout ça fonctionne, et j'ai choisi de ne rien affecter au coin gauche, ce qui permet d'activer ici mon centre de contrôle. Ensuite, on va pouvoir régler la sensibilité du geste avec toutes ces options ici. Moi j'ai choisi small, mais on peut mettre plus ou moins suivant ce qu'on préfère. Après, toujours dans les réglages, on va pouvoir gérer l'animation à la fermeture des applications. Moi vous avez vu que lorsque je glisse vers l'eau, ça se ferme de cette manière, mais je peux cocher cette option ici pour utiliser le système par défaut. Regardez comme il est! Je trouve que cette animation est plutôt sympa, voilà ce que ça donne. Donc vous avez deux choix possibles avec cette option à cocher ou pas. Ensuite, on va avoir un geste de glissement long qui va permettre de quitter l'application en cours et en même temps la supprimer du multitâche. Vous choisissez ici la distance à laquelle vous voulez régler cet appui long. Donc moi je l'utiliserai pas, je trouve pas ça très pratique. Et enfin, vous pouvez aussi choisir l'animation dans le multitâche. Moi je vais le décocher aussi, et on va enlever ça aussi. Hop, voilà, on va revenir à ce que j'avais avant donc ça c'était pour tout ce que l'on peut faire avec le multitâche et passons maintenant au changement d'application en activant cette option regardez ce que je peux maintenant faire en glissant à partir des bords de l'écran je peux passer très rapidement et très facilement d'une application à une autre ce sont en réalité les applications qui tournent en tâche de fond vous les voyez ici dans mon multitâche et bien avec des gestes de glissement sur les bords de l'écran ça permet de passer super facilement de l'une à l'autre comme ça je trouve que c'est un geste vraiment génial encore une fois, on a des animations vraiment fluides, que ce soit à l'ouverture du multitâche ou au changement d'application avec les gestes de glissement sur les bords, comme je vous montrais juste avant. Donc le tweak est vraiment très bien fait. Et toujours dans les réglages, ici vous allez pouvoir choisir le nombre de doigts avec lequel vous voulez passer d'une application à une autre, un ou deux. Moi je vais laisser 1, ensuite comme tout à l'heure on peut régler ici la sensibilité et là les coins de l'écran sur lesquels on pourra le faire. Donc moi vous voyez que j'ai marqué à n'importe quel endroit, ce qui fait que je vais pouvoir glisser à n'importe quel endroit de l'écran comme son nom l'indique, en bas à gauche ici, en haut à droite et ça me permet de placer mon doigt vraiment où je veux et de changer très rapidement. Enfin dernière option, vous pouvez désactiver ça lorsqu'un clavier est actif. Moi je vais décocher cette option. Ensuite, on a la fonctionnalité qui s'appelle Quick Switcher que l'on active ici et que moi j'ai choisi d'appliquer à mon coin inférieur gauche. Donc ce sera différent de ces gestes de glissement qu'on a là, c'est un autre mode de fonctionnement du multitâche que je vais vous expliquer. Commencez par définir la vitesse de défilement des applications que moi j'ai définie ici à slow pour que ce soit plutôt lent et enfin le délai d'apparition des applications ici. Ensuite, glissez à partir de votre coin et là, dans le multitâche, vous pouvez relâcher l'écran pour afficher directement l'application. Ça permet de gagner un petit peu de temps puisqu'il suffit de relâcher quand on est dessus. Hop, regardez ici la calculatrice. Donc voilà comment ça fonctionne. Dernier exemple avec les réglages. Je me place dessus, je relâche et l'application s'ouvre. Donc voilà, ça c'était pour le quick switcher si vous souhaitez l'utiliser. Et toujours dans les réglages, on va avoir ici des gestes qui vont nous permettre de verrouiller l'écran. Toutes les possibilités que vous avez sont ici. Moi, j'ai par exemple choisi un glissement vers le haut sur la gauche pour verrouiller mon appareil comme ça. Donc voilà, ça aussi, ça permet de gagner un petit peu de temps et de pas forcément utiliser le bouton d'alimentation pour le faire. Donc vous pouvez activer cette option si ça vous intéresse ou non. Et vous pouvez aussi choisir de désactiver les fonctionnalités lorsqu'un clavier est affiché pour éviter les fausses manipulations. Et là, vous allez pouvoir désactiver toutes ces fonctions dans certaines applications. Vous avez ici la liste de toutes celles qui sont installées sur votre appareil et vous allez pouvoir cocher les applications pour lesquelles vous ne voulez pas que ces fonctionnalités-là soient actives. Par exemple, je pense que dans une application comme Fruit Ninja où on fait déjà plein de gestes de glissement, ça peut être intéressant de désactiver tous ces petits gestes de tage. Donc voilà, réglez ça comme vous le souhaitez. Et enfin, dernière chose que l'on peut faire, ce sont des options supplémentaires lorsque l'on glisse sur les aperçus des applications dans le multitâche. Donc regardez, si je glisse sur la première, voilà ce qui s'est affiché comme menu. Plein d'options ici. Je peux par exemple éteindre mon appareil, le redémarrer, le passer en safe mode, faire un respring, quitter toutes les applications. Donc plein d'options ici. Donc voilà, ça c'est si on glisse sur la première page. Mais on a une seconde option si on glisse sur une page d'application. Voilà ce que j'ai choisi moi. Quitter toutes les applications. C'est quelque chose qui va m'être super pratique, vous allez voir. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est glisser vers le bas sur la première application pour afficher ce menu. Et maintenant je peux aussi quitter d'un coup toutes les applications de mon multitâche en glissant vers le bas à partir d'une application. Hop, regardez ça Mon multitâche est maintenant vide, plus aucune application à l'intérieur. Donc voilà, encore un geste de glissement super pratique de Tage ce Tweak, disponible sur Cydia, sur la source de Big Boss. Il coûte 3 dollars et vous avez 3 ou 4 jours d'essai. Je ne sais plus exactement combien de temps dure la licence, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement avant de pouvoir le payer. Mais c'est vraiment un tweet que je vous recommande, il est excellent. Donc vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Salut!